démonter Rennes. On va pas démonter, faut qu'il les batte. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, vas-y viens, on y pense pas. Mais aussi pour votre gamin Ben Arfa. Sans lui, je ne sais pas si on serait là. Le troisième du championnat, ça fait plaisir la familia. Je sais pas si c'est un tournant, en tout cas c'est sûr que c'est un match important. Mais c'est 3 points comme le reste des matchs. Ils ont l'ambition d'être européens, ils l'ont jamais caché. Donc c'est sûr que c'est important de faire un bon match et de gagner. Nous on est 8 garçons, 8 filles, on est 16, heureusement qu'on est 16, que 16e c'est moi. Tu regardes la blonde, qu'est-ce que tu as fait, Capone ou l'on est Big Kitten? Tout à fait tiré au volant, je me suis inscrit, c'est créé sur les Jean-Pierre, bon appétit. You're simply the best. Ils ont des individualités qui font des différences en ce moment. Je pense qu'on en a nous aussi. On parlait de Gourcuff justement tout à l'heure, ou de Dembélé qui est en pleine forme, Giovanni Sio qui a cette passe D, qui est le meilleur passeur de Rennes. C'est quand même, ils ont des éléments offensifs. Ben, à vos entends, moi je ne sais pas si on va jouer ce match. Hein. Ça me fait poser des questions et je ne sais pas si vraiment on va le jouer. Voilà. Donc on verra d'ici l'image. Hey les gars, je suis de tout cœur avec vous dimanche pour cette victoire. Cordialement, Robbie Langers. Eh ben, ce soir, on va remettre les glands du mois à notre ATM préféré. Là. Et qu'il nous fasse un super match ce soir et qu'il nous en plante encore un comme il a le secret. Hein. Dimanche, le match, je ne le vois pas comme tout le monde, mais ça doit certainement être moi qui ai tort, puisque je le vois très emmerdant pour Nice. Imaginez une défaite de Nice, 4 points de retard sur nous, plus un déplacement à Lyon, alors que bon, une défaite de nous à Nice, qui nous a déjà battus au match aller, ça ne serait que la confirmation. Je ne sais pas, mais je préfère être à notre place qu'à celle de Nice. Je peux fixer un autre objectif et je le fixe, je serai très déçu que nous ne marquions pas à Nice. So we made it to the stadium. Made it. We did it. OGC Nice.
On entendait des beaux bruits. On veut la Coupe d'Europe. Ça nous pousse et ça nous chauffe, ouais. Ça fait du bien d'entendre ça. Mais bon, on va pas s'enflammer, c'est un match. Gaëtan Tinet qui est là, parce que chaque fois qu'elle vient, vous flambez, vous gagnez. Ah, mais j'espère qu'elle sera là à Lyon alors. Comme ça, je vais continuer à flamber, à marquer des buts, c'est bien, merci. C'était une belle après-midi, il y avait beaucoup d'ambiance, nos supporters ont été très bons et c'est vrai que le match était de qualité. Comment on passe de Lyon-Duchère à l'Olympique Lyonnais ? Eh ben, c'est grâce à Claude Puel. En 1999, 7e tour de la Coupe de France, Lyon-Duchère, division d'honneur, rencontre Nice. Vous gagnez 4-0 et vous marquez le premier but dans les prolongations. Un copain de Claude Puel qui est là, qui insiste, prend cet arrière-gauche à l'essai, il est extraordinaire. Et l'essai va être concluant. Vous avez 20 ans, vous signez à l'AS Monaco. On sent que les supporters ont pris conscience de leur impact en venant au stade. Contre Rennes ce week-end, c'est impressionnant. Et si on arrive à avoir ça déjà pour les deux prochains matchs à domicile, c'est un plus. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salade et les pommes d'or. Chérie, je t'adore, comme la salade et les pommes d'or. Y'a Mustapha, y'a Mustapha, elle est parfaite, y'a Mustapha.